placée au premier plan, Pandora est manifestement le lieu important du film. L'arrière-plan est dominé par la présence de la planète géante Polyphème, dont un autre satellite est visible. La taille apparente de celui-ci est bien plus petite que celle de Pandora. Le rapport entre leur taille apparente peut être mesuré en utilisant un logiciel de dessin et en ajustant un cercle à leur contour. On trouve 403 pixels de diamètre pour Pandora contre 13 pour le satellite. La taille apparente de Pandora est donc 403 sur 13, c'est-à-dire 31 fois supérieure à celle de l'autre satellite. De quoi dépend la taille apparente d'un astre? Un petit dessin et un peu de trigonométrie permet de montrer que la tangente du rayon apparent, c'est-à-dire l'angle sous lequel est vu le rayon de l'astre, est égale au rapport entre son rayon réel en kilomètres et sa distance en kilomètres aussi. Peut-on utiliser cette formule pour en déduire la taille réelle du second satellite si l'on connaît celle de Pandora? La réponse est malheureusement négative, car aucun indice ne permet de déterminer les distances qui séparent la caméra de ces deux astres. Il est aussi possible de mesurer le diamètre apparent de Polyphème. On trouve environ 1460 pixels. Par ailleurs, il est dit dans le film que Polyphème a la même taille que la planète Saturne. Son rayon est donc de l'ordre de 57 000 km. Nous pouvons alors déterminer le rapport entre la distance de Polyphème et la distance de Pandora vue depuis la position de la caméra. Si l'on suppose que Pandora a un rayon un peu inférieur à celui de la Terre, car dans le film on nous dit que sa gravité est un peu plus faible, disons les trois quarts du rayon terrestre, alors on peut conclure que sur cette image, Polyphème est 3,27 fois plus éloigné de nous que Pandora. En astrophysique, la mesure des distances est absolument fondamentale, car c'est grâce à elle que l'on peut déterminer les quantités intrinsèques des astres, comme la taille, la luminosité, les paramètres de leurs orbites ou leur masse.